Tu souhaites te lancer dans la location courte durée puisque tu as entendu parler que c'était extrêmement rentable. Cependant, tu te dis que ça va nécessiter beaucoup plus de travail, qu'il y a effectivement des restrictions dans certaines villes. Tu te demandes comment tirer ton épingle du jeu et bien sûr comment ramener le plus d'argent à la maison. Alors je vais t'expliquer exactement toutes mes astuces pour que tu puisses toi aussi te lancer de la meilleure des façons. Première chose, la première règle numéro 1, avant de parler même de toutes les autres, ça va être les photos. Alors les photos aujourd'hui, ce qui est pour moi primordial, beaucoup plus que sur de la location longue durée, c'est que les gens en fait ils vont payer d'avance. Aujourd'hui dans la location longue durée, les gens vont regarder l'annonce, ils vont se déplacer à ton domicile et une fois qu'ils se sont déplacés, qu'ils ont regardé le bien dans son ensemble, bon, ils peuvent prendre une décision. Donc si tu veux aujourd'hui, le fait que tes photos soient bien, c'est mieux, mais c'est pas aussi important que la location courte durée où ils payent d'avance. C'est-à-dire que eux, ils vont acheter sur les photos. C'est-à-dire que c'est vraiment le point décisif de ton annonce. Il faut aussi faire très très attention à une chose, ça m'est déjà arrivé dans quelques Airbnb, d'arriver dans un Airbnb qui n'est pas du tout identique aux photos que j'ai pu voir. Il peut y avoir une réelle déception. Il faut faire attention aussi à ne pas trop modifier la réalité. Si on fait paraître le logement incroyable et quand on arrive, c'est une déception, ça peut être dommage pour les commentaires. Donc il faut quand même se rapprocher de la réalité et d'ailleurs avoir des photos de qualité va te permettre de te dire voilà, aujourd'hui c'est exactement ça que je dois faire vivre comme expérience à mon client, puisque oui c'est un client, et quand il se déplace c'est à toi de mettre en place dans l'appartement la décoration, la propreté, pour que la personne en fait, même si effectivement elle s'est un peu fait avoir parce que tu as pris des photos grand angle etc et que tu as l'impression que le bien est super grand, mais finalement quand tu arrives c'est tout propre, ça sent bon, il y a un petit cadeau d'accueil et ça te permettra quoi qu'il arrive en tout cas que le client soit content. Dans les petites astuces, je viens de t'en citer une autre, le cadeau d'accueil. C'est-à-dire que la personne, en fait, quand elle arrive, même s'il y a quelques petits défauts, etc., tu lui offres une petite boîte de chocolat avec un message ou alors une petite bouteille ou quoi que ce soit, ça permet vraiment de faire la différence. Et d'ailleurs, si jamais il y a une petite erreur dans ton appartement, ils l'oublieront volontiers puisque tu leur as offert quelque chose au départ. Ça permettra vraiment d'amener sur un terrain, en tout cas, qui sera plus, on va dire, plus cool à la négociation si jamais il y a une problématique. Et même pour le commentaire de fin, si jamais il y a un mauvais commentaire à mettre, bon, ils auront plus de facilité à te le dire en privé que te le dire en public, ce qui pourra encore une fois faire baisser ta note. D'ailleurs, pour rebondir sur les notes, au départ, quand tu vas te lancer dans Airbnb, forcément, tu n'es pas connu, tu n'as pas de notes, tu n'as pas d'étoiles, tu n'es pas super hot. Et si tu veux aujourd'hui attirer un maximum de locataires, bien, il va falloir que tu aies ces critères-là. D'ailleurs, c'est pour ça que aujourd'hui, tu as deux choses. Soit tu as les bons commentaires, les bons avis et tu peux augmenter le prix. Soit tu n'as pas ça et il faut baisser le prix. Parce que dans tous les cas, il faut réussir à trouver un moyen d'attirer les locataires. Si aujourd'hui, sur un tarif équivalent, il y a un appartement avec des bonnes notes et l'autre qui n'en a pas, bien sûr qu'on va aller vers l'appartement qui a des bonnes notes. Par contre, sur un tarif qui est 20% moins cher que l'autre, ça va me faire réfléchir même s'il n'y a pas de bonnes notes. Je vais me dire, bon, je vais peut-être aller essayer ici. Donc au tout départ, quand tu vas te lancer, je t'invite à baisser le prix de ton annonce pour recruter un maximum de personnes plus rapidement, éviter de mettre des restrictions, notamment par exemple sur les conditions d'annulation. Au tout départ, si tu veux que les personnes mettent un premier pied, si tu marques une condition d'annulation stricte, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a réservé, si jamais elle annule, même si c'est 2 semaines, 3 semaines, 1 mois avant, elle te doit quand même la totalité, ça c'est une grosse erreur à ne pas faire parce qu'aujourd'hui ce qu'on veut c'est que les personnes réservent, même si aujourd'hui les conditions d'annulation sont 100% remboursées même la veille, que c'est un risque. Le fait de sentir cette flexibilité, d'ailleurs Booking l'a compris depuis très longtemps, tu peux réserver énormément de logements en pouvant annuler même la veille pour le lendemain sans payer de frais d'annulation puisqu'ils te disent payer au comptoir, ça permet en fait de te projeter. Le fait de réserver, tu vas commencer à bâtir autour de ta réservation potentiellement des activités, des choses comme ça, en te disant voilà, de toute façon j'ai bloqué le logement, donc ça c'est fait, donc maintenant je vais essayer de voir ce que je peux faire autour. Et finalement la personne qui peut potentiellement n'aurait pas réservé parce qu'elle veut pas se mettre la pression, parce qu'elle a pas encore prévu le transport, parce qu'elle a pas encore prévu les activités, ça la permettra de bâtir autour et bien sûr de maintenir ta réservation. Donc ça c'est vraiment une erreur à ne pas faire. Ensuite, pour éviter de tomber dépendant de ton Airbnb, il y a plein de choses à faire, notamment pour automatiser tout ce qui est automatisable et déléguer tout ce qui est délégable. Notamment, tu vois, sur la plateforme Airbnb, tu vas avoir la possibilité de synchroniser plusieurs agendas, notamment avec Booking. Donc tu vas pouvoir en fait mettre Booking et Airbnb au sein de la même plateforme pour éviter par exemple que bah, finalement tu aies une réservation qui soit par-dessus l'autre et que le même jour tu aies 2 locataires. Finalement, il va y avoir une problématique. Donc là, ça te permet vraiment d'avoir toutes les réservations sur un même calendrier. Tu as la possibilité d'automatiser tous les messages. Donc tu vas avoir des messages automatiques. Moi, j'ai mis un message quand la personne réserve pour la remercier. Il y a un message automatique
schématisé qui va lui expliquer, qui va recevoir toutes les conditions pour arriver dans le logement, où se garer, comment récupérer les clés ou alors comment taper le code, etc. Comme ça, il est prévenu. Juste avant d'arriver, il reçoit donc le message qui vient lui expliquer comment rentrer dans le logement. Une heure après, il reçoit un message pour lui souhaiter la bienvenue et lui poser tout simplement la question, est-ce qu'il a besoin de quelque chose ou est-ce que tout est bien. Il y a un message au milieu donc du séjour pour savoir si tout se passe bien. Un message 3 heures avant la fin, le départ, pour lui expliquer tout simplement d'enlever les draps, où c'est qu'il faut jeter les poubelles, etc. Et un message après le départ pour le remercier d'avoir réservé et également pour l'encourager à mettre une note 5 étoiles. Et ce que je fais aussi pour éviter les mauvais commentaires, je lui dis que je suis ouvert à tout commentaire qui peut m'aider à améliorer le concept. J'attends ces éléments en message privé. Le fait tout simplement de l'inciter premièrement à lui demander de mettre 5 étoiles, tu vas mettre toutes les chances de ton côté d'avoir 5 étoiles. Et également le fait de dire que tu es ouvert justement à l'amélioration et que tu attends son commentaire en privé, ça évitera de te retrouver avec un commentaire public, puisque aujourd'hui le but c'est je te demande de l'aide. Donc si je te demande de l'aide en toute bonne foi, tu vas vouloir me la donner. Écrire ce message en privé va me permettre de garantir en tout cas que visuellement les seuls messages qui apparaissent ce sont de bons commentaires. Donc aujourd'hui tu vois, il y a quelques astuces, je vais t'en donner une dernière. L'astuce d'avoir un placard avec un cadenas à code qui est directement dans le logement ou dans les parties communes, dans lequel tu vas stocker des produits vaisselle, du papier toilette, des consommables, les cadeaux clients notamment, des draps d'avance. Et ça va te permettre à chaque fois, la femme des ménages quand elle va venir, elle a tout sur place. Si demain, pour x ou y raison, elle a fait une connerie, elle a oublié des trucs, le locataire il arrive, il n'y a pas de papier toilette, t'as une solution tout de suite, tu lui donnes le code, il va le récupérer. Pas besoin de se prendre la tête ou s'il manque des draps, et ils ont un enfant qui a vomi partout dans les draps, il peut aller récupérer des draps. Le fait justement d'avoir une solution qui ne nécessite pas ce que tu te déplaces dans le logement. Et tu vois, quand je te parle d'enfants, allez, dernière astuce, parce que franchement c'est important, si tu veux rajouter encore de la plus-value à ton logement avec 0 centime, enfin vraiment pas grand chose, t'achètes des accessoires pour bébé. Un lit bébé, ça vaut 49€ à peu près sur Amazon, tu l'achètes. Un petit rehausseur pour une chaise, tu l'achètes. Une petite marche, pareil, je crois que ça vaut 20€ pour qu'un enfant potentiellement puisse monter et se brosser les dents. C'est des détails, mais c'est vraiment, en fait, si tu veux, la personne, elle a un enfant, elle sait que si c'est un studio, il y a déjà le lit sur place, il y a une chaise bébé pour qu'il puisse manger. C'est quelque chose qui va réellement rajouter une plus-value et tu vas ouvrir le champ des possibles. C'est-à-dire que peut-être qu'un couple sans enfant serait venu, mais un couple avec enfant non. Et là, aujourd'hui, tu viens de rajouter en fait un avatar supplémentaire à ton annonce. Donc tu l'auras compris, c'est pas si compliqué. Alors bien sûr, je t'ai donné quelques astuces, il y en a encore plein pour pouvoir optimiser ton annonce en SEO, en référencement, etc. Donc bien sûr, pense à t'abonner si tu veux continuer à en apprendre plein sur l'immobilier. Et d'ailleurs, pour te remercier d'être resté jusque-là, je vais te donner exactement les conditions pour devenir super hot et automatiquement augmenter drastiquement le nombre de tes réservations. Donc la première, bien sûr, il faudra être un peu patient. Il faut déjà avoir fait au moins 100 jours de réservation. Ça va permettre tout simplement à la plateforme de t'évaluer dans une note globale. Ça sera minimum sur 3 réservations. Donc il faut que ça cumule plus de 3 réservations et plus de 100 jours pour que vraiment la plateforme puisse avoir une analyse complète. Avoir un taux de réponse de plus de 90%, ça veut dire que dès que tu reçois un message, automatiquement, il va falloir que tu répondes dans un délai imparti. Je vais te donner une petite astuce encore ici. N'hésite pas à mettre quelqu'un co-hot. Donc, tu peux le faire directement sur la plateforme. Si tu n'as pas le temps de répondre, tu peux mettre la femme de ménage, tu peux mettre quelqu'un d'autre qui va recevoir les messages et pourra répondre à ta place. Il faut avoir un taux d'annulation inférieur en tout cas à 1%, ça veut dire une seule annulation pour 100 réservations. Automatiquement, c'est une règle de base, c'est-à-dire que la personne a réservé et il ne faut pas qu'elle se retrouve à la porte. Si jamais ça arrive, il faut que tu demandes, je ne sais pas, tu te mets d'un commun accord, la personne a réservé, elle veut annuler, il faut lui demander à elle de faire la demande en priorité et à ce moment-là, Airbnb va te contacter pour savoir si tu veux faire un remboursement ou pas, total, partiel. Mais il vaut mieux que ça se fasse dans ce sens-là, qu'à chaque fois tu l'expliques à Airbnb, sinon ça va vraiment te shooter ta note. Et avoir une évaluation globale d'au moins 4,8 sur 5, mais je t'ai donné plusieurs astuces les plus importantes. C'est vraiment de faire ces petites attentions, ces petits trucs en plus, ces messages automatisés qui vont donner l'illusion que tu es vraiment présent. Et sache qu'il y a encore plein de choses à apprendre. Et d'ailleurs, si tu veux en apprendre plus sur la location courte durée, j'ai une formation complète avec des tutos où je te montre tous les écrans, comment faire, comment mettre les choses en place, des vidéos où je te montre mes appartements, tout ce qu'il faut pour être extrêmement rentable et surtout ne pas devenir esclave de ton immobilier Airbnb. Donc surtout, envoie un message juste en dessous et je me ferai un plaisir de te transmettre le lien.